Ces courges, Marie Lapébie les fait pousser à Auriol, près de Marseille. Exploitant en agriculture raisonnée, elle les vend aussi bien ici, dans ce magasin associatif, qu'en grande surface. Si leur prix est sensiblement le même pour le consommateur, pour elle, la différence est de taille. Entre la grande distribution et ici, en vente directe, sur un produit, ici je le vends au kilo, entre la grande distribution et ici, il y aura quasiment 1 euro de différence. 1 euro de moins pour cette agricultrice qui se demande combien de temps encore elle pourra travailler avec la grande distribution. Ça vous fera 74,44 euros, s'il vous plaît. Nous avons du mal aujourd'hui à nous rémunérer en passant par cette agriculture relativement industrielle, malheureusement, où il faut faire du volume à un prix très bas pour que les consommateurs dans les magasins aient des produits pas chers. En quête d'un autre modèle commercial, ils sont une trentaine d'exploitants locaux à s'être associés pour vendre leurs produits dans ce magasin d'Aubagne. Comme Marie Lapébie, Bruno Knipping, maraîcher bio, a pris le virage de la vente directe depuis 20 ans maintenant. On travaille pour nous, on ne travaille plus pour les autres. Mais c'est beaucoup plus de travail parce que c'est nous qu'on doit faire les ventes. Donc c'est du temps en plus, c'est du temps en moins sur exploitation. Donc après, il faut trouver du monde pour nous remplacer sur exploitation, mais ce n'est pas évident. S'il faut aller sortir les tracteurs et manifester comme les collègues, il n'y a aucun problème. Des problématiques différentes, mais là aussi, les coûts de production augmentent. De quoi être solidaire dans un monde agricole en proie aux doutes et aux difficultés.